places vont encore fermer dans le Limousin. Mais comment on a pu en arriver là? Tout a commencé ici. Tu sais, je n'ai jamais été... Mais n'importe quoi! Non. En fait, tout a commencé là. Annexon, charmante bourgade de 2500 habitants au sud de Limoges. Annexon, il y a un cirque, une piscine olympique, un périphérique et le collège Arsène Bonneau, dans lequel il y a un CDI avec plein de livres, une salle informatique avec plein d'informatique, une salle des profs avec plein de profs. Et surtout, 273 élèves. Mais ça, c'était avant. Avant que le grand Ratorec nous annonce d'étranges disparitions. Il a fait ses calculs. 16 élèves disparaissent. Il nous supprime 2 classes. Mais ils sont où ces 16 élèves? Chacun y va de son hypothèse. Les cas de disparition sont extrêmement nombreux. Le théorème de Pythagore ne s'applique que dans un triangle. Et en particulier de la solubilité des élèves. De JFK. Non, par exemple, si je l'appelle BEF. Sécurité avant tout. Et donc on constate que la soucoupe volante, tout ça... De métamorphose, des enquêtes, des meurtres, des vampires, même des fantômes. La gravité du soleil sur la Terre. Et bon, j'ai une petite pensée aussi pour Michael Jackson. Les mystères de la passion amoureuse, notamment avec la princesse de Clèves. Encore bien sûr, faut-il l'avoir lu. Faire l'Euclide. Un mélange de divers composés chimiques, des Templiers qui... Kant, l'homme ne peut devenir homme sans éducation. Non, je ne vois pas. Aucune idée. Étudier toutes les possibilités, honnêtement, je comprends pas. Je sais pas où sont passés ces élèves, je ne sais pas. Carpagon retrouve sa cassette. Finirons donc bien par retrouver nos élèves. Personne n'a de réponse. Il faut donc engager LE détective. Il est allé en Amérique, au Japon, en Russie et son assistante en Bretagne. Hola messieurs! Vous n'auriez pas vu ces élèves par hasard? Vous ne parlez pas français peut-être? Il n'y a plus qu'une solution. Le chaman de Nexon. On a suivi une piste. Oh, chaman, on l'a appelé. Chaman. On s'est retourné. Il était là. On lui a demandé où étaient nos élèves. Après avoir invoqué les esprits et égorgé une couche de poulet, il a parlé. On n'a pas compris. On est revenu au collège. On a pleuré, et là, quelqu'un a dit... Mais s'ils sont venus par ailleurs, c'est qu'ils sont encore là? Non, ouais. Encore là, ouais. Dans l'établissement? Mais avec 2 classes de moins, ils vont devoir se tasser. Et nous, alors? Ah oui, et nous? Ben, nous, on sera sur plusieurs établissements. C'est pas sérieux, ça. Pourtant, voilà la solution. Rendez-nous nos 2 classes! Mais si vous m'avez venu à dépendre. Mais c'est que je filme, hein, Mamie, là. La passion amoureuse chez la princesse de Trait. Thank you.
T'as entendu parler de l'histoire du collège de Nexon ? Ah ouais. Ah, ça perd les popettes. Tu te rends compte ? Supprimer deux classes, c'est énorme quand même. Tu crois que c'est pour faire des économies ? Oh ben non, pas d'économies sur l'éducation de nos enfants. Enfin, j'oublie à chaque fois.